Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord remercier la fédération et remercier tous les judokas pour la confiance qu'ils ont portée à ma personne. Ensuite, comme j'ai dit, c'est une appréhension que j'ai parce que le travail que nous avons est immense, il est énorme, ce qu'il faut abattre comme travail. Mais également, il y a une note d'espoir parce que nous sommes sortis aujourd'hui avec un bureau consensuel. Ça veut dire que tous les judokas de la région ont décidé d'avoir un seul et unique bureau qui a été voté par acclamation. Ce n'est pas de mon honneur, c'est pas ma gloire, c'est simplement tous les judokas parce qu'ils se sont mis la main dans la main. Alors on vous a tout à l'heure entendu fixer, sinon décliner vos ambitions de redresser aujourd'hui cette discipline. Les ambitions sont simples, les missions en fait, les énumérer c'est très simple. C'est que nous avons d'abord un problème d'organisation. Il faut qu'on puisse réorganiser au niveau local tous les judokas. C'est une tâche qui est immense. Ensuite, il faut pouvoir massifier le judo parce que si nous voulons avoir de l'écoute, si nous voulons que les autorités, que tout le monde puisse prêter attention au judo, il faudrait qu'on puisse le massifier. Et pour le massifier, il faudrait que, avec l'appui de mes amis, vous avez entendu l'engagement du président, c'est nous aider à mettre en place plusieurs dojos, et c'est dans la massification de ces dojos que nous parviendrons à massifier le nombre. Donc c'est ça qui est le gros challenge. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la région de Ziguinchor est une région où il y a eu d'énormes champions. Et donc la barre nous est placée, elle est très très haute. Si nous voulons atteindre ces résultats que les anciens nous ont laissés, il faudrait qu'on travaille énormément. Et ça, je demande aux jeunes déjà, aux maîtres à qui sont dévolus les dojos, que tout le monde se mette la main à la tâche, que tout le monde se mette au travail. Et c'est ce travail qui nous permettra d'avoir des résultats.